Je m'appelle Pascaline Magne et j'ai créé Secret Judoka. C'est une plateforme numérique d'entraînement et de ressources judo. Alors moi, j'ai d'abord découvert la dépolarisation pour moi-même, pour mes performances judo. Ça a totalement changé mon judo, mais aussi ma vie en général. Et du coup, j'ai très rapidement voulu me former pour pouvoir moi-même aider d'autres personnes via la dépolarisation. Et c'est comme ça que j'ai rejoint ce programme. J'ai pas du tout accompagné de personnes avant d'être moi-même formée. D'abord parce que je préférais attendre tout simplement d'être formée et aussi parce qu'en fait il y a eu peu de temps entre ma propre transformation moi en tant que sportive et le moment où la formation Tech Depot a été proposée, il y a eu juste quelques mois. Donc j'avais pas encore accompagné de personnes. J'ai vraiment commencé pendant la formation, ce qui est d'ailleurs prévu pendant la formation, d'avoir des cas pratiques. Donc ça s'est passé comme ça. Pour moi, la formation, elle a vraiment répondu exactement à ce dont j'avais besoin. Ce qui a beaucoup joué, c'est qu'en plus du contenu qui est quand même fait pour, comme on est un petit groupe, c'est très interactif et c'est très adapté à nos cas personnels. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, on a toute la place pour poser nos questions par rapport à toutes ces premières personnes qu'on rencontre, qu'on accompagne. Et parfois, on peut être un peu déstabilisé, il y a beaucoup de personnalités différentes. Donc pour moi, c'est vrai, la vraie valeur ajoutée de cette formation, c'est le côté accompagnement personnalisé. Donc aujourd'hui, je suis super contente. Mon attente première, c'était de pouvoir utiliser cet outil de dépolarisation qui n'est pas du tout répandu ni connu, parce que je pense qu'il est vraiment très très efficace. Et du coup, l'objectif est rempli, puisque aujourd'hui je l'utilise avec d'autres sportifs. Enfin, je permets à d'autres sportifs de le découvrir et de se débloquer en compétition. Et ce qui est assez génial, c'est que quand nous on les accompagne, forcément on donne ce qu'on a à donner, mais il y a 80% ou 90%, c'est le sportif lui-même qui le trouve et qui vit selon sa façon d'être, que ce soit en compétition, à l'entraînement. Je n'ai pas eu que des compétiteurs. Et ça, c'est génial parce que ça, nous, on ne le maîtrise pas du tout. Et de voir des gens qui s'épanouissent, qui reviennent en étant super contents, qui ont réalisé tel projet, qui ont réussi tel résultat, je trouve que c'est autant satisfaisant pour nous que pour eux, je pense. Alors, si la personne hésite à se lancer dans la formation tech, je pense qu'il faut vraiment poser les questions précises de ce qui le fait hésiter. Est-ce que c'est par rapport à son métier, par rapport au fait, est-ce qu'il a vraiment envie d'accompagner des gens? Après, si ces questions de base, j'ai envie de dire, sont réglées, qu'il est sûr qu'il veut être dans le coaching et accompagner des gens, là, pour moi, c'est sûr et certain que cette formation, elle est ultra efficace. Là, il n'y a aucun doute. Donc, ça dépend des raisons pour lesquelles on hésite. Mais si on est convaincu de la dépolarisation et qu'on est sûr qu'on veut accompagner des gens sur ce type de déblocage, là, pour moi, il n'y a pas d'hésitation.